tenir au bout de quelques jours. Rien de tel qu'un peu de Dark Dog. Ça tue. On est vraiment KO. Bah justement, pour pouvoir voir un petit peu les acteurs de ce qui se passe à Cannes, on a pu avoir notre collègue et puis notre ami, mais Anthony, avant tout un professionnel du festival, du people, de tout ce qui se passe un petit peu partout. Et notamment, des professionnels comme ça, il y en a beaucoup qui tournent et qui font leur job à plein temps parce que c'est vraiment du boulot. On a l'impression que les soirées, rencontrer des people, c'est que du fun. Eh ben non. Bah, je te laisse te présenter par toi-même parce que nous on se connaît. Mais pour tous les gens qui se connaissent pas, essaye d'expliquer un petit peu ce que tu as fait. Et puis on pourra parler par l'avenir un petit peu de ce qui se passe à Cannes après. Ok. Alors bonsoir, moi c'est Anthony Ross en fait. Je suis donc coordinateur de la radio officielle du Festival de Cannes, donc Cannes Radio, ainsi que journaliste et rédacteur pour le magazine People Sud. Donc en effet, moi je suis là, je draine énormément d'artistes puisqu'il faut les driver justement pour les interviews, les conférences de presse, entre autres que ce soit des films, à savoir qu'ils sont quand même là, que ce soit du cinéma, que ce soit les artistes eux-mêmes sont là pour se vendre leurs produits, et c'est un travail monumental. Qu'est-ce que t'en penses, ma déchienne? Oui, oui, parce qu'attendez, que je rectifie, puis après on reviendra sur moi. L'hôtesse, je dirais hôtesse, ambassadrice de la maison Dark Dog, qui se fait appeler chienne, mais chienne de... Dark Dog. Voilà. Je te repasse le micro et tu verras. Ok, donc t'es la petite chienne du bateau. Voilà, c'est ça, tout à fait. La chienne. La chienne pour Dark Dog. Magnifique. C'est magnifique, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous donne pas envie de venir voir faire un petit tour au bateau Dark Dog? Alors, donc toi t'es là les 10 jours. Voilà, c'est ça. Et tout le long du festival. Hein. D'accord. Et t'es déguisée ou... Normalement, oui, je suis déguisée en chienne. Avec les petites oreilles, maillot de bain, très sexe. Hein. Ok, ouais, comme une vraie chienne. Bon. Une vraie de vraie. Ok, donc... Prude que... Je vous dis carrément qu'elle est super prude. Hein. Donc chienne, je suis pas très sûr, mais bon, c'est pas grave. Passons. Tu viens de casser le mythe, là, Anthony. Donc, après avoir vu un petit peu le background, explique-nous un petit peu, alors hier, qu'est-ce qui s'est passé, pour qu'on essaie de rattraper un petit peu le temps perdu, parce que par rapport à tous les problèmes techniques, et puis bon, le streaming live, c'est quand même du gros boulot, c'est une première mondiale, puisque personne n'a encore sa web TV qui est capable de diffuser ce que vous voyez là en direct de vos petits écrans, que vous pouvez attraper avec internet. Donc si tu peux récapituler un petit peu ce qui s'est passé. Alors voilà, en effet, ce qui s'est passé hier, c'est que j'avais une très très grosse après-midi, une après-midi assez chargé puisque je me suis occupé de la conférence interview de Cathy Guetta et Rossi de Palma pour la soirée de lancement donc hier soir de la Nikki Party. Sur l'entrefeuille, donc ça s'est passé dans un palace, on peut citer le nom je pense, donc le Martinez, suivi par derrière donc d'une... Donc on a géré l'interview de Cathy et Rossi. On a enchaîné derrière avec Ophélie Winter, Alain Chabat, ce qui a été aussi donc forcément un box pas fini parce qu'il fallait gérer. Vous avez énormément de curieux pendant les festivités, pendant les conférences. Donc c'est vraiment du boulot. De suite à ça, nous avons... Quand même pour serrer par rapport à ça, c'est... À la base c'était Cathy Guetta et Rossi, et après derrière ça c'est... Oui, en effet, en fait tout s'est enchaîné derrière alors que c'était pas prévu. Ophélie, il y avait énormément d'artistes, c'était pas prévu sur le planning, et du coup on avait toutes les équipes de télé, puisqu'il y avait l'équipe de France 2, l'équipe, il y a d'autres équipes de télé dont vous auriez dû être présent, et puis malheureusement vous êtes arrivé au niveau du timing, ça a été très court, vous n'avez pas pu être présent, mais c'est que partie remise quoi qu'il en soit, pour ma part. Ok, c'est parfait. Donc donc beaucoup d'improvisation à Cannes. Voilà, donc on a eu beaucoup d'improvisation. En plus de ça, on avait la journée hier du lancement du film d'Antonio Vivaldi, dont j'en suis plus ou moins entre guillemets l'attaché de presse. C'est pas rien non plus parce que c'est quand même une sacrée brochette d'artistes, c'est Galabru, Cero, Catherine Deneuve, puis bien d'autres, j'en passe. Et donc ça aussi, il fallait gérer toute la soirée, le lancement du film qui s'est passé à l'église, ce qui est assez atypique, assez original. Généralement, les lancements de films, les diffusions de films se font au palais du festival. Et pour le coup, là, ça s'est fait dans une église. C'était assez original. Suivi du dîner au Carlton, pas des moindres, parce que quand on n'a pas l'habitude de faire du dîner mondain, là, on a vraiment l'impression d'y être, puisqu'on était entouré quand même de notaires, de gens importants de la société cannoise. Donc je dirais que c'était quand même assez sympathique. Puis après, donc bien sûr, tous les aléas et les impondérants, enfin tous les imprévus qui se sont enchaînés derrière.
dont la soirée à la Villa Babylone, où là on pouvait retrouver Samuel Jackson, Bruce Willis, Céline Balistran, Laurent Gérard, et j'en passe, et des meilleurs quoi. Donc ça, c'était vraiment une journée remplie d'émotions quoi, hier. Alors on entend des noms, bon, des noms qui font rêver puisqu'on les a tous entendus lors de films. Maintenant, comment ça se passe quand on les rencontre? C'est accessible, c'est bonjour, ou c'est oui j'ai bien aimé? Comment ça se passe en fait quand tu rencontres une star comme ça? Ce qui se passe, c'est qu'en même temps, c'est des stars qui sont très sollicitées pendant la période du Festival de Cannes, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on regroupe énormément de professionnels du cinéma du monde entier. Alors à côté de ça, vous avez des curieux qui viennent, parce qu'on connaît très bien le Festival de Cannes, c'est quand même le premier festival mondial, donc ça regroupe énormément de curieux, de touristes, donc c'est pas toujours évident de gérer. Ça dépend aussi de l'état d'esprit de l'artiste, savoir si c'est quelqu'un qui va être accessible, qui va être ouvert, qui va être posé. S'il est là pour deux jours, forcément il va être dans le speed total, donc il n'aura pas le temps de vous accorder ne serait-ce qu'une minute. S'il est là pour un timing assez long, il n'y a pas de souci. À partir de là, il n'y a pas de souci. Des anecdotes, non, j'en ai pas spécialement, parce que chaque situation a sa cause, quoi. Enfin, chaque cause a sa situation, dirais-je. Donc j'ai pas forcément d'anecdotes. Et toutes situations sont différentes et elles sont agréables aussi. Donc voilà. Ouais, c'est ça en fait, c'est vraiment être toujours à fleur de peau, être toujours vif, être toujours réceptif à ce qui se passe autour de soi. Et je crois que c'est ça Cannes. Mais l'outil primordial à Cannes, ça reste quand même, d'ailleurs je suis étonné Anthony, que t'aies pas tes lunettes de soleil, parce que après les 20 heures par jour, les lunettes de soleil, il n'y a rien de tel pour toujours avoir une mine fraîche et dispo. D'ailleurs en parlant de ça, c'est une nouvelle canette, je la connaissais pas celle-là. Oui, c'est une édition limitée, hein, tout à fait. Une édition limitée? Oui. D'accord. Donc on la trouve en série très très limitée. Si vous la voyez, ça sera à Cannes, ça sera dans des événements très 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 spéciaux. Bah, tu connais bien toi, les sponsors, les partenaires, tout ça, ça tourne autour des people. Oui, d'ailleurs je voulais citer en parlant de la marque de Dark Dog, que le mercredi 24 au soir sera organisée donc une grosse soirée, une très grosse soirée qui est à mes yeux assez importante, puisque c'est l'association Rêve qui exauce les rêves d'enfants malades, d'où on peut citer donc Dark Dog en partenariat. Donc voilà, d'ailleurs on a le fly qui sera donc situé au Château Rose, Villa Château Rose. Et une soirée donc remplie, je pense, même c'est certain, puisque c'est d'ailleurs cité, d'une belle programmation. Donc les DJ, des cracheurs de feu, des taggers, et j'en passe, et encore des meilleurs. Et puis en plus ça rime, c'est très bien. Juste pour citer, donc je vous ai convié demain, vous, l'équipe de Smooth TV, afin de récupérer avec moi, et puis une autre équipe de télé, mais bon ça on en parlera, on n'en parle pas. Notre actrice fétiche, et pas des moindres, Firmin Richard. Qui sera au 314, donc on va la récupérer pour citer Firmin Richard, qui est quand même une des actrices qui a tourné dans 8 femmes, Romuald et Juliette avec Daniel Auteuil, et actuellement le grand patron, oui, avec Francis Huster, voilà. Donc on la récupérera demain à 15h, si vous êtes disponible, vous me suivez, et puis après on enchaîne. Eh bien écoutez, avec grand plaisir, et vous avez compris, Cannes avec Anthony, ça se passe comme ça, la chienne c'est sans caméra, et on vous nous suivez, on verra demain, bye bye. Ok, donc nous nous retrouvons à la plage du Cannes Beach, on est le 23, et fidèle au rendez-vous que Anthony nous a donné, on se retrouve un peu dans les backstage de la radio. Salut Anthony, merci encore de ton invitation. Ben bonsoir moi, je suis encore dans la soirée d'hier. Bonjour à tous, bonjour à Smooth TV, donc en direct de Cannes Radio sur la plage du Cannes Beach. Comme convenu, je vous avais donné rendez-vous donc à 15h pour retrouver donc une grande actrice qu'on ne présente plus aujourd'hui, qui se prénomme donc Firmin Richard. Et donc on va commencer, pourquoi pas, une interview avec elle. Super, magnifique. Voilà. Donc Firmin, bonjour, merci d'être présente avec nous Smooth TV en direct de la station de Cannes Radio. Pour situer un peu tous les auditeurs de Smooth TV, on va retracer un peu le parcours et après on donnera la raison de ta présence justement au Festival de Cannes pour la 59e édition. Voilà. Non mais tu n'attends pas sur moi pour faire mon parcours. Non mais déjà de resituer un peu le parcours au niveau de cinématographique quand même assez impressionnant. Non mais c'est vrai, c'est très difficile de parler de soi. Bon, comme ça a été dit et redit dans tous les journaux, dire que j'ai commencé avec Colin Serrault il y a 18 ans maintenant.
Voilà, et puis après, comme je suis resté effectivement dans le monde du spectacle, j'ai eu l'occasion de faire quelques apparitions dans des films. Mais les films à succès sont effectivement Romuald et Juliette et 8 femmes que j'ai fait avec... Un beau palmarès, on va dire. Avec effectivement toutes les grandes comédiennes du cinéma français. Entre autres, donc je cite pour ceux qui ne savent pas, donc Catherine Deneuve, Emmanuel Béart, Mademoiselle... Fanny Ardant, Daniel Daruel, Divine Sanier, Virginie Leloyen. Voilà. Celui, je pense, qui a marqué plus les écrans aujourd'hui, c'était surtout... Enfin, il y avait 8 femmes, entre autres. Et on avait eu l'occasion aussi de te retrouver dans Romuald et Juliette avec Daniel Auteuil. C'était mon premier, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Voilà. Pour revenir à des choses plus concrètes, Firmine, tu es présente aujourd'hui au Festival de Cannes parce que tu es présidente d'un jury. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, effectivement, RFO et Invariance Noire ont depuis 4 ans maintenant, organisé un concours du meilleur scénario de court-métrage pour les jeunes de l'Outre-mer. Donc, j'étais présidente de ce jury cette année. Et donc, je suis là pour remettre le prix qui va... Le prix au meilleur lauréat. D'accord. Il y a aussi une pièce de théâtre, je crois, j'ai entendu dire. C'est vrai qu'en ce moment, je suis dans ma période de théâtre. Je sors d'une pièce qui s'appelle La noce et les petits bourgeois de Brecht, que nous avons traduit en créole. Créole français, hein, c'était sous-titré. Et je rentre tout de suite, je commence, sitôt rentré à Paris, je commence à répéter à fond la caisse avec Séverine Ferrer, Valérie Vogt, et bien d'autres comédiennes. C'est une pièce que j'avais jouée cet automne dernier avec Virginie Lemoine, qui maintenant donc, n'est plus sur le projet parce qu'il y a d'autres projets, mais nous reprenons la pièce avec une nouvelle distribution. Mais il y a toujours Valérie Vogt, Séverine Ferrer dedans. Et puis après, je vais faire une pièce à la rentrée avec Annie Cordy qui s'appelle Lily et Lily. D'accord. Et Christian Morin, entre autres. Par rapport aux Antilles quand même et toute la population, je vois qu'il y a de plus en plus de choses qui se font, de choses qui bougent et puis il y a de plus en plus d'ouverture. Est-ce que tu as vu une évolution depuis ces dernières années ? Dieu merci, il y a quand même, on arrive maintenant à avoir un peu plus de... Comment dirais-je, de Français d'outre-mer à la télé. Et je pense que la France est très en retard là-dessus. Alors encore heureux que ça se fasse maintenant, parce que nous faisons partie effectivement de la diversité culturelle de ce pays et c'est normal que nous soyons présentes. Et c'est pourquoi justement ce concours de scénario, du meilleur scénario de court-métrage a été organisé. Ça nous permet de former nos cinéastes pour l'avenir. Et ça permet aussi à ces jeunes de raconter leur culture. Que ma culture, effectivement, est diverse. La France se dit pluridisciplinaire, pluriculturelle. Et comment dirais-je, je fais la politique de la diversité culturelle. Devant les Américains, devant la mondialisation, on parle beaucoup de diversité culturelle. Donc, c'est normal que nous, aux Antilles, nous soyons présentes. Et je trouve que nous ne sommes pas encore assez présents parce que des histoires, nous n'avons pas encore commencé à raconter nos histoires. À part la rue Cazeneuve qui se soit fait dernièrement, je veux dire, enfin, il y a déjà 25 ans, il n'y a pas eu vraiment l'opportunité vraiment de raconter des histoires de l'outre-mer. Ne nous a pas été donné tellement. Okay. Mais je pense que c'est dû à la mentalité française, aux médias, la mentalité de l'audiovisuel français, du cinéma français, qui a une espèce de fragilité, qui a peur que ça ne marche. Déjà, économiquement parlant, ils ont l'impression que ça ne marchera pas ou que un sujet venant de l'outre-mer n'intéressera pas les Français de France. Les décideurs, entre guillemets, voilà ce qu'ils nous disent à certains moments. Donc nous en sommes là, quoi. Mais bon, Dieu merci, les choses évoluent. Ok. Donc juste un petit mot pour les internautes, voilà, vous avez compris la problématique, il faut que vous montrez que vous êtes intéressé par ces sujets-là et que vous attendez ces sujets-là et à ce moment-là ils débloqueront des budgets et puis on trouvera des gens derrière qui pourront parler de l'histoire, parce que l'histoire c'est important je pense. C'est sûr. Et heureusement qu'il y a RFO quand même. Mais heureusement. Ok, moi pour parce que il faut savoir que Firmine Richard est pas ici pour pavoiser, elle a quand même un programme assez chargé. Je crois savoir qu'on peut aussi te retrouver donc demain soir à une soirée en partenariat avec l'association Rêve, pardon, et Cannes Radio entre autres, et Smooth TV. Demain soir donc à la Villa du Château Rose, il me semble. Aussi. Ben oui, il me semble effectivement. Voilà, parce que tu étais invité. On m'a effectivement donné un programme très chargé, donc je serai entre autres là. Donc Smooth TV, ben voilà, vous aurez aussi le plaisir de retrouver vous les auditeurs Firmine Richard donc demain à la soirée. En cas de penser que je vais passer un bon moment, en cas de bon festival, hein, pour ça qui est à Cannes,
Et sinon, à un prochain soleil, quoi. À l'année prochaine. Yes, 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 thank you for your attention.